La famille s'est récemment agrandie. Après avoir accueilli une petite fille prénommée Capucine en octobre 2021, Jérôme et Lucille, deux candidats emblématiques de l'amour et dans le pré, ont été heureux d'annoncer la naissance de leur deuxième enfant le 19 juillet dernier. Sur la toile, la jeune maman a partagé un adorable cliché dévoilant à moitié la frimousse de son fils et ses petites menottes. Enfin tu es là, a-t-elle simplement écrit avec un cœur de couleur bleue, rappelant le sexe du nourrisson. Quelques jours après avoir accouché, l'épouse de Jérôme a pu quitter la maternité et retrouver les siens. Dans une récente story Instagram, repérée par nos confrères de Télé Loisirs, Lucille a fait savoir qu'elle était ravie de regagner enfin sa maison. Je retrouve ma voix un petit peu plus donc j'en profite pour vous parler, mais je ne vais pas rester trop longtemps parce que c'est quand même assez léger. Je suis arrivée à la maison hier, ça fait du bien de rentrer, a-t-elle déclaré, avant de livrer quelques détails sur la rencontre entre ses deux enfants. Capucine était super heureuse de voir son petit frère. Je prends mes marques tout doucement. Je vous avoue qu'hier c'était un peu sport mais il faut le temps que tout le monde s'adapte. Ça fait aussi beaucoup d'infos pour Capucine, mais on y va doucement mais sûrement. On est surtout super content d'être à quatre à la maison, a assuré la jeune femme, qui n'a pas chômé après son retour de la maternité. Première remise au fourneau après l'accouchement, je ne vais pas faire des exploits ça me remettra dans le truc. J'en profite il est 7h du matin, les deux dorment je vais préparer tous les légumes, a elle confié. Lucille, l'amour est dans le pré, maman, pourquoi elle a mis du temps à dévoiler le prénom de son fils dès le lendemain de son accouchement, par le biais d'une story Instagram, l'ancienne candidate de l'amour est dans le pré a donné quelques détails au sujet du prénom du bébé. Ou plutôt, de son absence de prénom. J'essaye de reprendre des forces. Tout s'est très bien passé, a-t-elle confié à ses 270 000 followers. Avant de poursuivre, on vous dira le prénom quand on sera vraiment fixé, avec Jérôme. Je peux vous dire qu'il est roux. Et de préciser, et du coup, 400 kg. Une attente qui n'a pas été longue puisque, dans une publication datée de ce dimanche 23 juillet, le couple a révélé le prénom original choisi pour leur fils, Adonis. Crédit photo, capture d'écran Instagram.